Salut à tous et bienvenue sur les tutoriels Zenko. Aujourd'hui, je vais vous parler des one tap. Alors, j'en ai déjà parlé sur les modes de tir et aujourd'hui, je vais aller un peu plus en détail sur une des techniques de tir. Alors, ce que j'appelle le one tap, voilà, je vais couper les voix. Ce que j'appelle le one tap, c'est en fait la technique de tir qui correspond à appuyer une seule fois sur la détente et essayer d'aller chercher les têtes. Donc ça marche très bien de loin et ça marche beaucoup moins bien de près. Donc la technique, si je vous conseille de regarder ma vidéo sur les strafes, sur les décalages en fait, où il faut décaler, s'arrêter et recommencer en fait. Donc là je m'arrête un coup, je redécale un coup, je m'arrête, je décale, je m'arrête, je décale, je tire. Et en fait il faut jouer là-dessus pour essayer d'être le plus mobile possible et en même temps être toujours précis parce que quand je tire, je suis toujours arrêté. Là, le top c'est de s'entraîner en deathmatch comme ça et de se dire ok, pendant 10 minutes je fais que du one tap. Bon, là des fois je tire deux balles parce que ça part vite, mais je me force à m'arrêter à chaque fois que je vois un ennemi. Je m'arrête et je tire une, deux balles maximum. Donc ça marche forcément beaucoup mieux à la AK. À la M4, vous pouvez faire avec deux balles, mais voilà. Et... C'est plus ou moins simple en fonction des ennemis qu'il y a. Et donc ça c'est vraiment pas mal pour vous entraîner et progresser à longue distance. En fait, en tant que débutant, vous avez souvent l'habitude de vous mettre à full et à tirer un peu n'importe comment sans forcément maîtriser votre spray. Et c'est vraiment important de se pouvoir forcer à faire ça pour vraiment perdre l'habitude de faire des foules vraiment non maîtrisées et trop longues. Donc je vous conseille très fortement de faire ça de temps en temps si vous voulez progresser un peu. Et puis voilà. Donc il ne vous reste plus qu'à le faire. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine alors. Ciao!